You know, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. You know, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfied. Nous allons voir ensemble, ils ont parlé de trading algorithmique. Donc voilà, le sujet de la vidéo, c'est du trading algorithmique. Donc, je vais rapidement voir avec vous quelques outils et quelques structures pour pouvoir faire du trading algorithmique. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par faire une définition. C'est quoi le trading algorithmique? Pour ceux qui ne connaissent pas le trading algorithmique, c'est automatiser ses stratégies de trade afin de pouvoir générer des signaux de trading et pouvoir prendre position sur les marchés de manière automatisée. Et cette automatisation fonctionne avec un algorithme qui va envoyer différentes séquences à exécuter afin de pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc voilà, donc ça c'est le trading algorithmique. Donc ça c'est une explication, une définition assez claire et truc. Donc pour ça, on a quand même besoin de petits outils en informatique pour faire tourner le tout. Donc on va rapidement voir ces outils ensemble. Ok, c'est parti. Donc là déjà je vous lance sur Google. Voilà, donc, tranquille, on va y aller. Là pour le coup, pas mal de choses qui sont déjà ouvertes. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer d'entrer directement d'abord pour présenter un graphe, histoire de revenir dans quelque chose de classique. Donc ça, c'est un graphe classique, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes bougies, il y a des bougies rouges, il y a des bougies vertes. Voilà, moi j'ai mis comme indicateur Ichimoku parce qu'en manuel je trade avec Ichimoku. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler du trading manuel, c'est-à-dire on fait de l'analyse technique, on identifie les différentes figures pour prendre position, voilà. On essaie d'avoir une lecture du marché. Bon, l'avantage avec Ichimoku c'est que c'est un des indicateurs où on peut avoir une lecture en trois temps. Voilà, donc une lecture du passé, une lecture du présent et potentiellement une lecture du futur avec les nuages. Voilà, donc dans une autre vidéo, je reviendrai un peu plus sur l'indicateur Ichimoku. C'était juste pour vous présenter la partie trading manuel, voilà, pour avoir une visibilité. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens font. Mais aujourd'hui, on peut automatiser ces trades. Et je vous envoie aujourd'hui dans ce monde d'automatisation avec, pour commencer, Quant Connect. Voilà, donc Quant Connect, comme... Quantopian et pas mal d'autres plateformes servent à vous amener petit à petit vers le trading algorithmique. Voilà, donc c'est une plateforme très intéressante pour ça. Donc n'hésitez pas à en abuser. Il y a des bases, il y a pas mal d'informations. Voilà, vous pouvez déjà venir sur les docs. Voilà, vous avez la documentation. Moi, principalement, ce que j'utilise sur Quant Connect, c'est regarder. Les librairies des stratégies. Voilà. Il y a des librairies où sont stockées toutes les stratégies. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a Alpha Ranking Strategy on Down 30 Company. Ensuite, on a Combining Main Reversion and Momentum in Forex Market per Trading Copulovers Co Integration. Donc, vous avez toute une bibliothèque avec différentes sortes de stratégies qui sont déjà prêtes à l'emploi et qui sont expliquées en détail sur Quant Connect. Donc déjà, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour un débutant à fabriquer une stratégie, à la coder et à l'implémenter step by step, code par code. Déjà, ça, c'est déjà un grand pouf. Il faut avoir une approche en puzzle. Une approche en puzzle, c'est quoi? Il y a des choses qui sont déjà faites, on essaie de les récupérer, de les comprendre, de se les réapproprier. Voilà, histoire de les faire tourner et voir comment tout ça tourne dans la machine. Et une fois qu'on a fini cette étape-là, on peut aller plus loin et les modifier encore une fois de plus pour les rendre encore plus optimisés et encore plus efficaces. Donc voilà, donc on va ouvrir un rapidement, voilà, voir comment c'est organisé. Donc comme vous voyez, il y a différentes étapes, il y a l'introduction, il y a les méthodes, il y a l'algorithme.
Ce que je fais moi en général, je clique directement sur cloner l'algorithme, ici. Quand je fais ça, il se lance automatiquement dans l'interface de backtesting de Camp Connect. Voilà. Donc, dans cette interface de backtest, on est d'accord que l'avantage, c'est que on peut tester le code sur les données précédentes. Et ça, c'est merveilleux. Parce que déjà, on a des données de 10 ans qui vont nous dire si la stratégie est bonne ou pas. Voilà, donc, pour ça, très simple. Voilà, ça, c'est le code. Le code en Python concernant cette stratégie. Tout est listé ici. Voilà. Ensuite, on fait tourner le code en backtest. On l'a mis sur quelques années quand même. L'intervalle temporel va s'afficher dans l'écran quand l'engineering aura fini de charger. Voilà. Donc, on fait une simulation avec 100 000 $ d'equity, comme vous pouvez le voir ici en vert. Maintenant, on va essayer de voir sur combien d'années cette simulation est effectuée. Voilà, donc ça commence déjà en 96, en 2016 plutôt, jusqu'en 2021. Du moins, ça commence en 2016 et ça va aller jusqu'en 2020 déjà pour commencer, puis on verra pour 2021. Donc on est déjà, on est d'accord que, voilà, on a déjà 4%. Ok, Google, stop. On a déjà 2% de retour, voilà, en quelques mois sur 2016 avec toutes les données historiques qui ont été prises. Là, on voit qu'on est en train de perdre, ça remonte. Voilà, donc là, on est toujours, on est environ au mai, on est environ à mai 2016 sur le backtest. Et on voit le pourcentage de retour ici, le net profit et les frais. Voilà. Donc ça, c'est notre capital qui grossit pour le coup. Donc, comme vous le voyez, le backtest permet d'analyser la stratégie dans le temps. Donc, la stratégie qu'on vient de récupérer à l'instant, on la lance sur des données historiques de plus de 10 ans, parce qu'on va sur 2016 à peu près, et on peut monter au-delà. Voilà. Et on essaie de voir les performances de cet algorithme-là sur ces backtests, comme si on entraînait ce truc. Et quand on estime que les résultats sont suffisants, voilà, là, on peut, dans un deuxième temps, partir dans le live. Voilà. Donc, le live, quand on sélectionne sur le live de Camp Connect, il y a différentes étapes à valider. Voilà. Donc, là, par exemple, on va sélectionner les data. Voilà. Sélectionner les data et la sélection du brokerage. Et ensuite, le déploiement live. Donc, build the project, select brokerage, select data and deploy live. You know, ça, c'est les quatre étapes pour passer du backtest de l'entraînement à quelque chose de réel. Et pour ça, on sélectionne l'un des brokers qui se trouve là. De préférence, c'est dit, moi je travaille beaucoup avec des brokers algorithmiques qui me permettent en fait de le faire. Donc bon, là ils sont listés, il y en a d'autres, mais on essaiera de voir dans une autre vidéo peut-être la liste des différents brokers qui permettent de connecter un système automatisé pour faire du trading. Mais pour cet exemple-là, on va utiliser celui-là et celui-là, qui sont les deux brokers parmi tant d'autres que j'ai. Donc voilà, donc là pour le coup, vous n'allez pas voir mes trucs puisque c'est flouté normalement. On est d'accord, donc si c'est flouté, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on le lance. Alors, une fois qu'on l'a lancé, on met les codes de connexion que le broker nous envoie, donc par exemple les différents brokers qu'on a choisis. On s'inscrit chez eux, ils vont nous donner des codes d'inscription, profile et password. On les rentre dans Camp Connect pour pouvoir se connecter. Voilà. Ensuite, on sélecte notre connexion. Et ensuite, sur Camp Connect va nous donner une puissance de calcul. Voilà. Donc, cette puissance de calcul, là, malheureusement, elle est payante. Donc, il faut prendre un abonnement à leur niveau pour pouvoir utiliser la puissance de calcul. Ensuite, on le déploie. Là, quand on le déploie, le déploiement est connecté automatiquement avec le broker. Donc là, maintenant, on est en plein dans live. Il va d'abord charger tout ce qu'il a à charger, ensuite connecter ça
au broker. Et en direct, on peut suivre l'évolution des prises de position de cet algorithme qu'on a testé d'abord et qu'on est d'accord. Donc ça, c'est pour vous montrer comment en 5 minutes, on peut automatiquement mettre en route un algorithme qui est déjà rodé, organisé, qui est prêt à l'emploi, sans même avoir des notions de trading. On regarde juste les performances de cet algorithme. Il faut juste le faire tourner, identifier la perf sur 5 ou 10 ans. Et une fois que ça c'est bon, on le déploie en live. Aussi simple que ça. Donc le trading algorithmique n'est pas si compliqué que ça à truc. Au contraire, il est plus sécur parce que, à la limite, on fait rôder un algorithme, on connaît déjà la performance de l'algorithme à l'avance. Voilà, l'algorithme n'a pas de stress, il a pas mal, il n'a pas de doute, il agit selon les informations qu'on lui envoie. Voilà. Il peut y avoir des bugs, ça c'est des bugs machines, mais normalement, la plupart du temps, les algorithmes sont beaucoup plus sûrs que les humains. Donc moi, je conseille à tout le monde d'avoir un trading algorithmique. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une petite vidéo d'introduction pour vous montrer comment est-ce que en 5 minutes, 10 minutes chrono, vous pouvez lancer une stratégie déjà faite, déjà backtestée, déjà documentée par des recherches, que ce soit des recherches mathématiques, informatiques ou des backtests sur plus de 10 ans qui ont prouvé des retours et qu'on peut déployer rapidement sur les marchés pour faire de l'argent sans avoir connaissance du code de développement et du détail dans les profondeurs. Bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que l'algorithme fait, mais surtout, il faut savoir la performance d'abord. Et puis, dans un deuxième temps, on rentre en détail. Quand vous avez décidé de faire tourner cette stratégie de manière courante, vous rentrez en détail dans la composition de cette stratégie. Donc voilà. Donc moi, c'est une vidéo pour vous présenter ça. Voilà, vous présenter ce trading algorithmique, vous initier à ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, mettez des pouces, likez, commentez, posez des questions. Je ferai d'autres vidéos dans ce sens-là. Et voilà, donc c'était un plaisir et à très très bientôt. Merci encore à vous tous. Au revoir.